Comme vous le savez tous, le président de la République m'avait fait adresser une invitation pour le rencontrer. Pour parler des questions d'intérêt national et en particulier des calendriers électoraux, qui a suscité des contradictions. Nous sommes entrés unis sur le calendrier électoral. Disons que le président de la République a souhaité avoir ma lecture des événements et surtout des propositions que j'ai décidé de faire par rapport à ce calendrier électoral. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué la position de l'opposition et surtout les arguments qui soutiennent cette position-là. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il verra savoir réellement quelle est sa position. Parce que lui, son rôle, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition. Et après, essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Donc à cet égard, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de revenir sur les positions de l'opposition que vous connaissez, ni sur les arguments qui soutiennent ces positions de l'opposition. Nous avons estimé qu'il était bon de faire l'effort d'organiser les élections communales avant la présidentielle, à raison du fait que l'engagement de faire les 10 élections avait été pris lors du dialogue. Le juin 2013 qui a été sanctionné par l'accord du 3 juillet,